C'est ça, non? Mais non, ça t'y va. Mais Moutou a eu 100 francs, 200 francs. Bah, les qui s'y sont, ils ont passé 4 ans. Et ça, bon côté. Et ça, bon côté. Donc, c'est-à-dire que notre constatant qui n'a pas d'enrôlement, bah, n'a qu'il faut monnayer. Ok, on peut s'y moutou, bon, on pose un cadre électeur. Si on bat tout, on a un bon côté. Pour pas soit 4 ans, on fait 2 jours, 3 jours, bah, on peut s'y écartiter. Et cette discrimination, ma camouane a besoin de renimer le sous-sou. La première chose que c'est le commencement, nous avons commencé notre tournée depuis le 19 juillet, lorsque nous avons lancé cette campagne de mobilisation dénommée sans fichier électoral fier de l'action. Nous avons sillonné toutes les communes de la Fournée. Nous étions là pour communiquer avec la population, pour les expliquer la quintessence de la décision que nous avons prise de ne pas déposer le candidat à tous les niveaux. Sans d'un fichier fiable. Et aujourd'hui, nous venons de clôturer notre tournée par une activité mixte regroupant les deux grandes communes, la commune de Boum et la commune de Ngilingim. Nous les avons expliqué sur la nécessité d'avoir un fichier fiable pour des élections crédibles en RDC. Jusqu'à aujourd'hui, notre position reste échangée. Mais vous-même, vous avez suivi que la population est tellement déterminée. Et vous savez, nous sommes des démocrates. L'unique façon pour accéder au pouvoir, il faut passer par les élections. Raison pour laquelle le peuple est en train d'exiger, qu'il prévoit la neige pour le président Élu Martin Fayulu soit le prochain candidat aux élections présidentielles. Mais le jour qui vient, nous-mêmes viendrons auprès de la population pour décider si oui ou non il va participer au scrutin de décembre 2023. Nous sommes là, nous continuons toujours à exiger le but du fichier local. Nous continuons toujours. Et la Kambambo, la Nicolas Zalikoya. Mais ce qui kadim, au Megi Kosala, Nyamu Nyamu, na maponema 2023. Pour les qui se la biso moto, oyo, biso peuple te voter te. Donc, vous allez la choix moussou te, kaka pour appliquer article 64. Pour récupérer victoire dans Bissot, mais pour récupérer mon sommet dans Bissot. Il y a un lobby qui est là, il y a un lobby qui est là, il y a un lobby qui est là, c'est le moment de rendre les tabliers. Parce que nous sommes là qui sommes là, nous sommes là pour préparer le braquage électoral. Il y a un lobby qui est là. Banaya, Ngiringiri, Bazo juré Kaka, dans l'élection Moreza crédible, pour être battu pour voter, Bazala réellement battu, Oyo Bazako, Bazako, comment Bazako reflété volonté la Bamona Katia, une. Donc, Tolobi Boye, Tokobang et l'opoté, Boboma, Bokanga, Bo intimidé, Boza déjà régime Moko finissant, Boza déjà régime Moko agonissant. Votre temps, votre l'heure de partir a sonné. Chilo Molananga bien, le 24 janvier à minuit, pour que vous allez sous place où on a été, peuple a récupéré le pouvoir. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.